Ah, de rage tout là, moi, pour se la peine de l'entraînement qui m'aura la petite faire pour vraiment augmenter mon écoute dans CS pour vraiment identifier ma son, ma distance et pour essayer de faire ma wallbang assez intéressant et efficace. Ok, dans le tutoriel pour Hutton, il montre une bonne technique comment faire tapping dans le mirail pour que tu si, disons, un ennemi de l'autre côté et qu'après faire une full spam. Moi, ce que je montre aux autres, c'est que ma balance de côté droite et de côté gauche dans le headset et augmente l'écoute. Pour ce training là, je conseille aux autres et là, un headset qui sont en train de parler à l'aise. Les gars gaming, soit les gars non-gaming headset, un CVAVN, V2, des pistes series pour faire la fesse, ils sont tous à l'aise. Pareil pour un Kakorias, un Megalon 2, soit un Tiamat, des P-Razer, soit n'importe qui headset qui ont gagné depuis. N'importe quel qui ont gagné depuis ben, les autres mots assez reconnus comme un Rokat avec ça. Ok, si vous avez un camarade, vous avez un camarade que l'autre c'était spawn, vous placez l'autre au centre de cet spawn avec un Glock. Et clip vous tirez un coup de balle à un intervalle de 10 à 20 secondes, préférable de 10 secondes. Ce que je vous fais, je vous tire le couteau, je vous fais un petit léger, je vous place dans l'endroit que vous êtes à l'aise dans le spawn de préférence avant. Et vous êtes pressé au bouillon de zut pour enlever cet spawn. Qui ferme les outils à côté, c'est que vous avez testé si vous êtes pété avec ban rebours. Ça veut dire si vous faites galoper, m'arrêter, me cross check ban différentes places. Et qui vous permet de vraiment repérer zut d'un map. Si vous avez fait une image 3 dans zut la tête, vraiment que vous êtes là au map là et qui distance zut était. Et qui pour un affaire marée intéressant parce qu'ils ont. Je consulte moi avec Dusty parce que c'est ma map qui compte plus. Le café a différents chemins, le café passeport long, passeport B, passeport mid, par l'OCTS. Long avec B, il y a un peu plus compliqué que mid parce que mid, à partir d'une distance qu'on prend, soit pour là, c'est pour uniquement stand sur des pays de camarades. De pas pour vous faire long, de pas pour faire une longue distance comme si totally blind, de toute façon. Ce passeport long, il pose un petit peu les temps. Mon stand bas là disons sa distance à nos longs dans B le position partie de ouest en elle pour la crise de mon stand bas là excusez-moi pour la crise de mon stand un petit peu ban bas là ou ça quand les pétards comme il y a de tout à l'heure ils sont à bord après qu'ils ont réussi qu'on se fasse l'eau d'un stade à ce cabou d'une fois nous sommes des lieux après ça ce cabou l'eau d'immérite ou l'eau d'iton et après bien après le cabouzo de train. Le train est un petit peu compliqué parce qu'il y a un train pour tout livrer vraiment des man qui ont une bonne position en train là, de distance que vous étiez en bonne train là, que vous êtes décalage, etc. Et parce qu'il y a un bon ladder et qui vous êtes carrément avec un ladder et qui vous êtes vraiment apprécié là. Et c'est tout mon abdosite, mon groupe qui s'entraîne avec Marie et tout et qui vous sont tous vraiment à l'aise après avec son, je connais vraiment comment on peut faire un rôle même qui est bien effectif quand c'est une de faire ta part de côté. Comme d'hab, good luck avec le man training et hope pour tant de bon feedback.